sa carte Z. Ça arrive. Juste au moment où je me disais tiens, faudrait que je regarde ma vie. Bon, s'ils veulent. Arrivé. On prend le montage. Attention, est-ce que ça va marcher? Ça marche pas. Eh, ça devait marcher.
Sibyl, les yeux rouges. Sibyl. Ça bloqué par là. Et juste avant que je prenne la balle, quand même. Ah oui, c'est maintenant. Ce que je suis en train de me dire, je crois qu'il y a plusieurs fois où il faut remplir la bouteille, sinon ça marche pas. J'ai pas pissé dans la bouteille. Il y a l'étrangle le poteau, ouais. Le plus chiant si tu veux la sauver, c'est pas le boss le plus chiant.
Un peu dynamiser le combat en cours de manège en fait. Je suis bloqué. Ah non. Oops. Bah ouais, il n'y aura pas de boobies. Tant pis. Bon, de toute façon, la vraie fin du jeu, normalement, c'est ça. Elle survit pas. Hold it right there. I don't know who you are or what you're trying to do, and I don't care. Just one thing. Let Cheryl go. That's all I ask. What? What is this? Where's Cheryl? Give me back my daughter. We meet at last, Alessa. Dahlia Gillespie? Where's Cheryl? Where is she? Alessa. This is the end of your little game. Mama? C'était sa mère. Could she be... Sa mère. You've been a ghastly little pest, haven't you, Alessa? I was careless. Thinking you couldn't escape from our spell. But Mommy didn't know how much you'd grown. That's why I couldn't catch you all by myself. But what a pity, yes? Now you're half indebted to this man for his help. Hey, what are you talking about? Alessa, my dear little girl, there is one thing left I need you to do for me. No! Get away from me! Bad girl. What's going on here?
Lisa. What happened? Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. I just can't get it out of my head. What is it, Lisa? So I went to look in the basement. Even though I was scared as hell. Like you said, there were these creepy rooms. But nothing really unusual down there. But while I was down there, I got this weird feeling. Like I'd been there before. Like something happened there. But I can't quite remember somehow. What was it? Harry, help me. I'm so scared. I can't take this. It's only a temporary thing. You're in shock from when you were knocked out. Don't fret about it. You'll remember after a while. No. You don't understand. Wait! Where do you think you're going? What? Il y a un petit problème. Bon, on va passer la cinématique parce que je crois qu'elle était bugue. Complet. Tiens, qui ressemble à rien avec... 2h30, ça... summoned. What happened in this town? What could be making things like this? I have a feeling if I take the elevator down, I'll find it. Cheryl. 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 I'll find it in the studio. À tous ceux qui ont fait l'effort d'aller avec moi. Même quand on peut me quitter. Je vais pas avec le couteau là. Sur la clé, ma belle. Pistolet, je m'en fous un peu. Faire les meilleures armes. Et dans le 4, il y rote, alors bon. Ah, le 3 bis.
pense. J'ai dû chercher de base. Tournevis à la place. Quel chirurgien n'a pas ça chez lui? Voilà, on utilise une pince, okay. Un couteau. J'ai des fiels. Les bras aussi. 3-4-4-4. Et alors aussi les bras. 6. Putain, lui c'est 8, c'est genre 6. Moi c'est les enfants. Ils ont un seul bras les enfants. Oh putain, la fatigue, ça va sérieux. C'est des manchots. Il est un manchot. Oh y'a y'a. Mais là c'est le troll, mais tout le monde tape. Ouais c'est l'alerte. C'était quoi encore? On l'a eu tout à l'heure. Pas plus. Harry? Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. C'est bien, Benzi, t'as compris. Harry.
Éviter de faire une blague, ce sera mieux. Normal, c'est censé être émouvant de la mine de rire aussi. Bon. Mais sinon je me suis dit que j'ai commenté. Thank you.
Ok, je suis pas en train de... Certains blocs. Ah oui, putain, oui. J'ai du temps. À la gueule quoi. Ça va passer dans la saison. Ajax, c'est là. Jette, ça se prononce. Putain. C'est bien de le découvrir à la fin du jeu. Que le flingue est pourri par rapport au marteau. J'ai oublié qu'il repoussait les ennemis en fait. Lâche-moi un peu de ça. Elle est juste pour Benzine.
Vas-y, tu fais des blagues de merde. C'est l'appareil photo. J'ai la cave. La cave. Pas du tout à cause du culte qui a cramé la fille pour qu'il le tue sur elle. Putain, les mains en trois avec les livres de Shakespeare. Si t'as lu que les livres de Shakespeare, t'es à la merde. Deux heures quarante-sept, cinquante-quatre secondes. Attaque.
Est-ce que je prends le pouvoir de Melchior? Oui. Bon. La VHS. What is it? Still has an unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Her skin is all charred. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping that child alive? I can't stand it any longer. I won't tell a soul. Promise. So please. Les brûlures, surtout quand tu peux pas mourir et que t'en as. Mission, c'est fini. C'était dans quelle salle déjà? C'était le deuxième étage. Écrivain, mais ça tue des ondes.
Everything is going according to plan, sheltered in the womb. But it's not done yet. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, no, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that will take time. À la fin. Do what Mommy tells you now. I just want to lend me a teeny bit of your power. That's all. No! I don't want to do it! It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Oh, but Mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? Dahlia. Well, well, well. To think you'd make it this far. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. I'm in no mood for jokes.
Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Why? Why are you doing this? It's been a long 7 years. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare, waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning, when all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise, my daughter will be the mother of God. Science. Dragon Ball Z. Tiens. Quit screwing around. Return things to how they were before. Kaufman! Did I ask for this? Nobody uses me. You won't get away with this. Your role is over. We don't need you anymore. What do you think you could accomplish by coming here? My, aren't we getting cocky? Bet you can't see this and keep it cool. A glove for this? I thought I got rid of that! All I had to do was plant it somewhere. Fine. You all, well, kept it busy. Ha! You're easy. And there's more where this came from. Stop it! Ralenti, j'ai oublié ça. Grenade, ouais. Huh? What the? Ouais, j'ai compris, il fait mal, oui.
C'est bon, on est à la fin du jeu. Tu peux te les garder, tes conseils. On n'a rien vu, on n'a pas vu le menu. Dahlia. La cutscene. La cutscene. La cutscene. Je crois une touche. Aïe aïe aïe. C'est lui, non, je vais mourir juste contre le boss final en fait. Dolly. Et... Voilà. Voilà comment on éclate le monde. Elle vient de s'enfanter. Son bébé, c'est elle. Thank you.
Et on est parti maintenant. On se tape au début, mais ça y est, on va faire ça. Bon bah voilà, je pense que le défi est réussi. Bon bah pour le premier défi, c'est pas mal. Tu aurais réussi. Hein. Là pour le coup j'ai eu la prime au bout. Si j'aurais sauvé Sylvie, je serais pas la meilleure. Ça vient d'un parti de ça, surtout le défi que je m'étais lancé. Débloquer l'essence, la perceuse et la tronçonneuse. J'ai fini le moment de 3 heures, ce qui est pas mal, j'avais pris 4 heures quand même. Du mystère normal, ending de good, 27 sauvegardes, ça j'ai un peu fumé sur les sauvegardes. On continue. Ça va. Du
161-204. Tu vois pas. Petit kilomètre de course. C'est bon. J'ai eu... 2 points. 3, 6, 7. J'ai eu 47 points. Bon. Encore à corps. Et 37 ennemis au fusil, c'est perdu. Du coup, je pense que je vais pouvoir couper le jeu ici. On va repasser sur le deuxième écran, si j'y arrive à trouver les bons raccourcis. Et hop là. Bon bah du coup, premier défi relevé, premier défi réussi. Ça va, je suis plutôt content de moi, j'ai fait des bons scores. Je me demande même si je pourrais pas rajouter le défi du champ de 3 heures. Je pense qu'on peut passer en dessous des 2 heures. Puis... Sans radio... Radio c'est bizarre, franchement, c'est pas un vrai défi. On marque la carte non plus au final. Ils sont d'ailleurs, parce que t'as encore la musique de... Si on va la laisser, c'est bon. Alors pour Catrix, que j'écorche pas ton pseudo, qui vient d'arriver apparemment. En fait, c'est, le but de l'émission, c'est de faire des défis sur différents jeux rétro. Là, le premier, c'était la première émission, c'était le premier défi, c'était de finir Silent Hill 1 sans utiliser la carte. Et du coup, bah, je ferai d'autres défis sur d'autres jeux. C'était vraiment un défi que je voulais faire, celui-là, sans utiliser la carte. C'est pour ça que j'ai commencé avec celui-là. Et d'ailleurs, Lunatics, c'est comme ça qu'on le prononce, je te renvoie sur mon site Wales Avengers pour voir. Il y a une rubrique spéciale pour cette émission. Il y a différents types de défis. Bon, là, c'est le premier, donc c'est un peu vide. D'ailleurs, je m'occupe pas ce soir-là. Merci à Benzine de mettre le lien, sauf que t'as oublié les 3 W, mais c'est pas grave. Oui, pour proposer des défis, sur le site, y a pas d'endroit en fait, c'est plus sur les forums généralement. Oui, mais on peut proposer des défis, généralement c'est sur des forums comme NES Forum, le forum de NES Blog, non officiel, le forum JDG. Et c'est tout, je verrai peut-être ouais, pour faire une rubrique sur le site pour qu'on me propose des défis, j'en ai déjà pas mal. C'est sa fille, Super Meat Boy sans mourir, je suis pas fou à ce point quand même. Je le mets direct en trompette platine ici, pour moi. Du coup, on va continuer le stream là jusqu'au moins 2h du matin, si vous avez des questions à poser, sinon je ne peux pas avant. Allez-y, pour les 7 viewers qu'il y a, c'est déjà ça. Son de scène, si voilà, ça ne m'entendait plus. Megaman, est-ce que tu m'avais dit FMG, j'avais prévu de faire Megaman X
sans mourir, je crois que c'était. Tuer les boss avec le X-Blaster, je sais plus trop ce que tu m'avais dit. Ça, c'était donc tuer tous les boss avec le Xbox, le X-Blaster. Quand les défis comme ça, je pense que je m'entraînerai un peu avant. Je lancerai pas le jeu là comme je viens de faire, au pif, sans y avoir joué depuis un moment. On va éviter. Et déjà, je pense que pour la semaine prochaine, j'ai déjà prévu ce que ça sera. D'ailleurs, je vais déjà expliquer ce que j'avais prévu pour à peu près tous les 11 paris. Je vais un peu me recentrer, ce sera mieux, si on m'entend toujours. Et Crash Bandicoot, j'ai déjà prévu quelque chose aussi, mais là je le dirai pas, je l'ai prévu moi-même et je le ferai quand je le ferai. Mais il y a bien déjà un truc qui est prévu avec le Crash Bandicoot. Comme je disais, ce que je vais faire en fait, c'est que maintenant, là celui-là je l'avais annoncé à l'avance, que ça allait être comme défi. Mais pour les prochains, je vais plutôt attendre l'émission en fait pour les dévoiler. Généralement, j'essaierai par exemple, comme j'ai fait là au début, mettre le thème du jeu par exemple, j'allais lancer un défi sur lequel j'allais me décider lancer un défi. Et bah, du coup, vous aurez la surprise à chaque nouvelle émission de voir quel est le défi, quel est le jeu. Et du coup, après chaque émission, je lancerai le sondage pour que vous donniez la difficulté du défi. Et à la prochaine émission, je dirais que le défi précédent a gagné telle difficulté. Et donc, je vais répondre à FMG, mais d'abord, je vais rajouter un dernier truc. C'est-à-dire que, bah, déjà, au vu des votes, des 11 votants qu'il y a eu sur le site, c'est déjà pas mal. Donc, ce défi-là a mérité le trophée d'argent. Donc, sur le site, maintenant, apparaîtra le trophée d'argent pour ce défi. Donc, voilà. Donc maintenant, oui, pour répondre à FMG à propos du glitch que j'avais essayé d'expliquer rapidement. Normalement, pour sauver Sibyl, on a vu qu'il fallait lancer le produit, finalement, qui n'a pas marché. Parce que je pense que, comme ce que disait Benzine, il fallait en prendre plusieurs. Je pense que le fond de bouteille ne suffisait pas. Les petits pingouins qu'il y avait dans le parc d'attractions, justement, celui à côté de la sauvegarde, normalement, on peut lui lancer le produit qu'on doit lancer sur Sibyl. Ça fait que le jeu bug, les textures deviennent buggées pendant un instant, durant la cinématique où il balance le produit. Et en fait, t'as pas besoin de te battre contre Sibyl, le produit fait effet. Pardon. Le jeu considère que tu as utilisé le produit sur Sibyl, et du coup tu sauves Sibyl sans te battre contre elle. Voilà ce qu'était le glitch en fait, ça a évité de faire le combat contre Sibyl. J'ai vu ça sur Silent Hill France, après je sais pas, ça dépend des versions, j'ai pas cherché plus. Justement j'irai vérifier pour les liquides rouges là, parce que ça me paraît suspect quand même, j'avais comme souvenir qu'on pouvait le balancer directement dès le début du combat. Après, au niveau des glitches, pas grand chose dans ce jeu quand même. Il y a justement ce glitch là qui peut faire gagner du temps, mais bon, là, c'est pas grand chose. C'est vraiment, tu vas plus vite du point A au point B, sans utiliser le mode Bob, et voilà quoi. Bon, par contre, comme ceux qui sont comme Benzine et qui n'ont rien pité au jeu, je préfère vous renvoyer au site Silent Hill France qui explique plein de théories sur le jeu, dont une qui est probable vu qu'elle est tirée d'un bouquin sur Silent Hill, qui explique à peu près tous les tenants et aboutissants du jeu, comme le trafic de drogue qu'il y a dans Silent Hill avec les touristes, etc. Ce qui se passe avec Alessa et Cheryl, pourquoi elles fusionnent entre elles, pourquoi en fait Alessa et Cheryl sont en fait la même personne, mais elle s'est divisée en deux pour éviter que le cadeau donne naissance au dieu justement combat à la fin. C'est pour ça qu'en fait elle est brûlée,
mais qu'elle peut pas mourir parce qu'elle est pas complète pour, elle est pas complète pour mourir. Parce qu'elle a libéré Cheryl qui s'est retrouvée chez, chez Harry Mason. Et du coup, l'épisode qui fait suite à Silent Hill 1, c'est Silent Hill 3. Et non pas le 2. Et je le dis encore une fois, vaut mieux aller sur Silent Hill France pour lire toutes les explications, parce que je ferais que les répéter en fait. Si je compte faire des races, tu veux dire des speedruns quoi. Si c'est ça que tu veux dire, ouais les speedruns ouais c'est prévu aussi, c'est justement les défis de rapidité que j'appelais. Justement pour les speedruns, faudrait que je mette en place aussi un compteur. Le fameux compteur que Benzine m'avait cherché. Sans que j'y prenne attention. Deux joueurs sur le même jeu qui tentent. Ah, tu veux dire, ouais. D'accord, d'accord, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est pas des speedruns, des raids, ouais, d'accord. C'est deux joueurs qui s'affrontent pour faire le même défi et le plus rapide des deux remporte le défi, ok. Je vois, ouais, pour ça, faut que je vois. S'il faut vraiment trouver quelqu'un d'autre qui puisse le faire et que je puisse diffuser aussi. C'est un peu plus galère. Mais ouais, ça peut être sympa sur certains jeux. Je pense que le grosse difficulté là, pour cette émission, c'est surtout trouver des défis qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire pas tout le temps faire des défis qui sont du style finir le jeu en faisant tel truc, finir le jeu en faisant tel truc. Arriver jusqu'à tel boss, sans mourir, sans faire ci, sans faire ça. Bon, faut que j'essaie vraiment de trouver des défis qui sont vraiment qui peuvent être drôles. Quoi. D'ailleurs, justement, pour l'émission de vendredi prochain, je pense déjà avoir trouvé ce que ce sera le défi. Ce sera un défi loufoque. rien que d'y penser, ça me fait déjà rire, donc j'espère qu'il vous fera rire aussi. Ouais. Genre, Resident Evil Only Cut, ça reste dans le domaine du finir le jeu. Dans le jeu en faisant tel truc. Les défis loufoques, alors je vais expliquer rapidement les différents types de défis. Il y aura les défis de rapidité, les défis de difficulté, les défis d'endurance et les défis loufoques. Alors je fais un rapide tour d'horizon. Les défis d'endurance, c'est généralement ça va être du let's play. Ce sera vraiment des défis qui seront pas durs à faire mais longs, qui peuvent justement occuper plusieurs émissions. Comme ça me fait un peu des émissions quand je sais pas trop quoi faire comme défi, je me dis bah, je vais continuer ce défi-là. Et les défis de rapidité, bah, c'est les speedruns, tout comme. Les défis de difficulté, c'est comme celui que je viens de faire là. C'est faire un truc spécial qui rajoute de la difficulté au jeu. Et les défis loufoques, bah, c'est les autres, c'est ceux qui rentrent pas dans les autres catégories, qui sont vraiment du nawak. Et justement, la semaine prochaine, ce sera un défi loufoque. Et qui a, je pense que j'aurais beaucoup plus de chances de me foirer sur ce défi-là que celui d'aujourd'hui. On peut s'imaginer quel type de jeu ça peut être, hein, surtout si c'est un défi loufoque. Bon, et bien il est 2h du matin maintenant, je pense que je vais vous laisser. J'espère que c'est une bonne émission qui vous a plu. On a atteint quand même une moyenne d'à peu près 7 viewers. Je pense qu'on n'est pas passé en dessous de la barre des 7 viewers. On est monté jusqu'à 10. Je trouve ça déjà pas mal. Merci à ceux qui sont restés du début à la fin, s'il y en a. Je pense qu'il y en a, mais merci à eux. Et du coup, bah voilà quoi.
Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission dans Paris. Ciao!